Vous connaissez le Sigma? Non, c'est qui? Mais non, c'est obligé, je te connais, Souka, tu le connais? Oui, je le connais, le Sigma, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on va le faire venir ici, dans la classe. Alors par contre, pour faire venir le Sigma, il va falloir qu'on se change un petit peu, parce que là... Claquer de chaussettes, le petit jogging. Bon, toi, en vrai, t'as le cadeau, t'es plutôt bien habillé, beau gosse. Attends, t'es en train de dire que là, je suis habillé comme du n'importe quoi? Oui, sale plouc. Bon, en vrai, ça va, mais tu peux mieux faire. Et enfin, et moi, regarde, je suis en Lacoste, regarde derrière, c'est trop stylé. Ouais, par contre, il est trop beau et en plus, j'ai le même que Souka. Mais les gars, en vrai, vous êtes habillés pour l'été, mais le Sigma, il est tout le temps en costard, il est tout le temps super bien habillé. Alors évidemment, en costard, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais je suis sûr que vous pouvez me réserver des surprises et vous habiller bio. Et vous habillez beaucoup mieux. Bon, en vrai, c'est vrai que dans ma valise, j'ai encore d'autres vêtements, des petits pantalons, des trucs et tout. Mec, je suis chaud pour aller faire un petit tour dans ma chambre. Mais du coup, Diabolo, toi aussi, t'as intérêt de faire un effort. Bah bien sûr, moi j'ai prévu une tenue super stylée, vous allez voir. Parce que je vous explique un petit peu, pour faire venir le Sigma ici, il faut qu'on fasse plein d'actions de Sigma, qu'on soit habillé en Sigma. Et ça, ça va attirer le Sigma qui va débarquer dans la villa. Bon allez, chacun va chercher sa tenue. Ouais, c'est parti, je vais directement dans ma chambre, let's go. Ok, alors on va commencer avec Souka. Wow, attends, mec, déjà regardez les chaussures que... Oh, mais elles sont tellement belles. Mec, Souka, faut vraiment que tu mettes ces chaussures. J'avoue, mec, c'est mes toutes nouvelles paires de Gucci. Bien évidemment, je vais les mettre, en plus elles sont super belles, mais t'as pas tout vu, viens là, mec. Allez, c'est parti, let's go. On doit choisir la tenue de Souka, c'est parti, let's go, ok. Déjà, mec, je te conseillerais de mettre cette ceinture, je sens qu'elle va être super cool. J'ai aussi ce magnifique t-shirt palme gel que j'aime énormément. Il est magnifique. Mais t'as pas tout vu, mec, regarde. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai aussi un t-shirt beurre. Mais est-ce que c'est digne d'un Sigma? Dites-moi en commentaire, moi franchement je suis vraiment pas sûr. C'est vrai, tu as bien raison. Montrer sa richesse à travers des vêtements, c'est pas vraiment le call. Je pense que je vais trouver un habit beaucoup mieux adapté. Voilà, le Sigma, il suffit pas de mettre un t-shirt à 500€ sur soi. Ça représente pas du tout la mentalité de Sigma. Bon, en vrai, Souka, j'ai fait un petit peu le tour de toutes tes tenues. Et franchement, le truc, c'est que t'as que des trucs qui coûtent... Couper ses cartons. Oui, regarde-moi ça. Le jean est complètement troué, mais t'es bête ou quoi? Section skinny, section pointe. J'ai ce pull que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a pas très longtemps que ça. Notez-le dans les commentaires, mais franchement, il coûte pas très cher et il fait le taf. Enfin, moi je trouve qu'il est bien. Bon, Souka, il est temps que tu choisisses rapidement une tenue de Sigma, parce que là, tout ce que tu montres, c'est vraiment pas terrible. Bon, j'ai peut-être trouvé quelque chose de mieux adapté. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Regardez-moi ça. Oh, c'est un camis. On est actuellement au Maroc et ça, je crois vraiment que c'est la tenue la plus stylée d'ici. C'est super classe. Ça, c'est Sigma. Et en plus, aujourd'hui, on est vendredi. Et comme Niska le dit si bien, le vendredi, je suis en camis. Oh, oui. Ok, ben je suis en train de le mettre. Et... waouh. Ok, bon, les gars, il me va ou pas? Vous en pensez quoi? Et mec, franchement, ça va, c'est beaucoup mieux que tous les jeans skinny sécateurs là. Parce que là, mec, t'as vraiment du style. Par contre, Souka, je pense qu'on va aussi faire un petit quelque chose pour accueillir le Sigma. Il va falloir mettre un petit peu de parfum rouge Trafalgar. Regarde-moi ça. Tiens, vas-y. Allez. Mais oh, un bon parfum de femme. Je sais pas si c'est Sigma de ça que de mettre un parfum féminin. Mais si, c'est super Sigma. Voilà. Là, vraiment, t'es le Sigma de cette villa pour l'instant. Voilà, let's go. Ouais, les amis, super. On passe du quatuor qui lui aussi va devenir un Sigma. Let's go dans sa chambre. C'est parti. Nous voici dans ma chambre actuellement et on va voir un petit peu ce qu'on a dans mes bagages. Alors, on a un pull. Bon, après, on est au Maroc, il fait un peu chaud, donc allez, c'est pas intéressant. Bah, le même t-shirt que Souka. Mais t'as clairement le même. Attends, mais t'es sûr que c'est pas moi ça, mec? Attends, mais c'est sérieux ou quoi? Après, j'ai encore le même t-shirt que Souka. Mais c'est quoi ce délire? Mais rends-moi mes affaires. Le même short que Souka. Et j'ai également le même short que Souka. Mais hey, vas-y, Souka, t'achètes tout. Mais mec, je commence vraiment à me poser des questions, gros. Tu veux tout le temps me recopier, mais t'es amoureux de moi ou quoi? Vas-y là, c'est bon, mec, tu prends tout ce que j'achète. Vas-y, attends, montre-moi ce que t'as encore. Hey, arrêtez de vous embrouiller, ça c'est pas un comportement de Sigma. Et je vous rappelle qu'après qu'on soit tous habillés en Sigma, il va falloir qu'on reproduise plein d'actions de Sigma pour faire venir le Sigma. Donc là, je veux la paix entre vous. Bon, là j'ai un pantalon, mais c'est un survêtement. Je suis pas sûr que ce soit vraiment super Sigma, quoi. Ouais, clairement pas du tout.
faut vraiment que je trouve quelque chose de bien plus classe. Et ce sera pas un de ces déguisements super flippants que juste ici. Oh, en vrai, vas-y, j'ai fait le tour de tous mes vêtements et là, mec, j'ai vraiment pas grand chose qui est Sigma. Ça c'est nul encore. Ça va, il est bien. Ah non, moi j'aime beaucoup les amis. Notez-les dans les commentaires, mais franchement, il est simple, il est assez sympa. Diabolo, t'en penses quoi, toi? Bah franchement, il est super stylé. Mais c'est vrai que ça fait pas le Sigma ultime. Là, franchement, toi, tu ressembles beaucoup plus à un Sigma. Il faut que Twinner trouve quelque chose du même niveau. Regarde, mec, j'ai encore trouvé un t-shirt, mais c'est n'importe quoi. Il est rempli de je sais pas c'est quoi, enfin. Eh, vas-y. Mec, il faut devenir des Sigma, t'as oublié ou quoi? Oh, attends. Oh, là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. On est vendredi. Et évidemment, on est vendredi. Bah, allez, on va le mettre, ce petit camis. Il commence à se transformer en Sigma, et ça, j'aime bien. On met directement le camis, et les gars, là, est-ce que je suis en mode Sigma, hein? Ok. Attendez, est-ce que là je suis en mode Sigma? C'est beaucoup plus stylé. Ouais, voilà, on commence à voir le Sigma avec nous. Effectivement, on commence à avoir une ressemblance auprès du vrai Sigma. Mec, tu commences à rentrer dans ma team là, j'aime bien. Du coup, on passe à Talcado et enfin on finira par moi. Vous allez voir, j'ai une petite tenue, vous allez kiffer. Mais attends, j'ai un problème. Ah, ça pue. Bon, maintenant je pense que je vais parfumer Twinner. Allez. Il parfume un petit peu l'oreille, bizarre. Bon allez, on passe à Talcado. Je suis avec Talcado, le prochain Sigma. Et il va nous présenter un petit peu ce qu'il a dans sa valise pour se transformer en Sigma. Mec, t'es... en fait le problème Talcado, c'est que t'es tout le temps en classe. Comment tu fais? C'est ton métier d'être habillé comme un Sigma, alors montre-nous. Bon, est-ce que je peux mettre un short ou pas? Non, ça passe pas trop pour le Sigma. Ouais, c'est vrai que pour le coup un short, je trouve pas ça fou. Donc mets-les de côté déjà, c'est sûr que ce sera pas ça. Oh, parce que moi je voulais mettre ce short là, mais je pense que ça va pas passer. C'est vrai qu'il est vraiment très stylé, mais mais on va le laisser de côté. Bon alors, est-ce que je peux mettre ce survêtement de football du Paris Saint-Germain? Alors pour le coup, c'est vraiment pas du tout Sigma. Bah, moi je voulais l'accueillir avec mon club de cœur. Ouais, le club éliminé en Ligue des Champions. Non, là clairement ça correspond pas du tout à l'image Sigma. Alors je vais peut-être mettre ce magnifique t-shirt bleu Jacques Mus. Voilà, parfait, c'est le Jacques Mus. Jacques Mus, voilà. Non, en vrai, il y a un dentifrice dessus, c'est quoi ce délire? Vraiment, mec, ça c'est encore un, ça c'est encore un t-shirt qui coûte 40 milliards d'euros juste pour écrire un truc dessus. Et en plus, tu portes un t-shirt avec un dentifrice mais tu te laves même pas les dents. C'est pas vraiment Sigma. Bon, montre-nous, est-ce que t'as pas quelque chose d'un petit peu plus classe? Bon, déjà, je me brosse les dents, c'est totalement faux. Par contre, les gars, je peux me mettre en camis moi aussi? C'est vrai que ce serait plutôt Sigma, mais est-ce que t'en as un? Et montre-le-nous de quelle couleur il est, etc. Vas-y, montre-nous. Eh, hey, venez, mon camis, je crois que je l'ai laissé là-bas. Venez. Waouh, ok. Ah, mais t'as le cadeau là, pour l'instant, on part super mal. J'espère que ton camis sera aussi beau que le nôtre. Waouh, mais mec, mais c'est le plus beau des camis. Oh, j'ai le camis le plus drip d'ici. Regardez, avec des BTS, de l'or et tout. C'est fait en fil d'or, c'est incroyable. Attends, mais je veux le même. Attends, mais quoi? Attends, mais combien t'as coûté ce camis? Il est clairement en VVS. Écoute, j'ai fait une très bonne affaire puisque je l'ai acheté 1000 dirhams au souk de Marrakech. Oula, je crois que tu t'es fait légèrement arnaquer. C'est le scam. Bon, tous les Marocains dans les commentaires, dites-moi combien est censé coûter ce petit camis en dirhams. Et puis bah du coup, bah vas-y, t'as le cadeau, mets-le. Bon alors, j'enfile ça, il faut pas que je me trompe. Quand il fait chaud, ça tient froid. Et quand il fait froid, ça tient chaud. Quelle arnaque. Je crois que c'était clairement pour nous le vendre, cette petite truc. Ok, c'est bon, je suis en camis, je crois que je rejoins le club. Ouh, mais t'as le cadeau, t'es tellement beau comme ça. Tu as un réel Sigma. Let's go, du coup c'est à moi de vous montrer la tenue que j'ai choisie pour devenir le Sigma. Les gars, j'ai trouvé ma tenue, mais le problème c'est que elle mériterait un petit coup de repassage. Ah, mais c'est quoi cette chose? Non, attendez, je vais quand même l'essayer. On va voir si vous kiffez ou pas. Allez, let's go, je vais essayer ça. Allez. Mais c'est n'importe quoi cette chemise. Mais hey, mais t'as pas de fer à repasser ou quoi? Bon, les abonnés, je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas mis la chemise. Je commence à être un petit peu serré dedans. J'ai pris un petit peu de bide et là, c'est compliqué, hein. En même temps, ça fait tellement de temps que tu fais des vidéos avec Skibidi Bob, je pense que tu commences à avoir le même ventre là. Je crois que clairement, je veux ressembler à mon idole. Et en plus, les tenues que là j'ai dans ma valise. C'est pas très Sigma. Oh là.
Ça, c'est pas très humain non plus pour le coup. Ah ouais, et la chemise me sert beaucoup trop. Je suis désolé Diabolo, mais tu peux vraiment pas invoquer le Sigma avec une chemise qui tire comme ça. Et en plus, je suis en jogging claquette chaussette. Non, là vraiment, il va falloir faire quelque chose. Diabolo, regarde-nous bien. Tuner, Talcado et moi sommes en camis. Je pense que la question est vite répondue. Enfile un camis, toi aussi, mec. Du coup, moi aussi, j'ai enfilé le camis. Là, on commence vraiment à ressembler tous à des Sigma, mais il reste quand même quelques petites choses à faire. C'est qu'on va devoir tous faire une action de Sigma chacun pour devenir des réels Sigma et aussi apprendre la tête de Sigma. Suka, montre-nous, je crois que tu sais déjà bien la faire. Ok, pour faire le Sigma, c'est très simple, les amis. Il nous faut une musique et ensuite faire ce visage. Bon, il reste encore un petit peu d'apprentissage, mais on va très très vite apprendre. Qui commence par sa première action de Sigma? Moi. Ok, s'il te plaît. C'est parti. Ok, ça va être la première action de Sigma et je crois que ça va être réalisé par Suka. Oh, vas-y Suka, j'ai super super faim. Ça te dirait pas d'aller au village pour me ramener des oranges? Moi j'y crois pas du tout, mais n'importe quoi. Mais Tuner, t'entends pas? Regarde, on commence à entendre la chanson du Sigma. Oh là là, il arrive très clairement. Je vous l'ai dit, on a créé une zone de Sigma. Et du coup, le Sigma va venir ici. C'est sûr et certain, on fait que des actions Sigma. On est habillé en Sigma. Donc là c'est parti. Ah oui, je commence à ressentir la force du Sigma. Attendez, pour finir cette vidéo, on va chacun faire la tête de Sigma et dans les commentaires, vous nous direz qui était le réel Sigma. Ok, c'est parti, on commence avec Twitter. Let's go. Bon, allez, okay. Sigma, tu vas voter et tu vas me dire si c'est bien. D'abord, refais-le un petit coup. Wow, Sigma, mais j'aimerais tellement que tu m'apprennes. Wow, bon, lui, ce sera clairement le numéro 1, mais dites-nous, quelle est la deuxième position? Je vais essayer de le faire, moi, je suis pas très fort, mais allez, c'est parti. Voilà. Du coup, le Sigma, qu'est-ce que tu en as pensé de mes petits signes? Oh non. Ah, oui, c'est lui le réel. Je crois que j'ai manqué avec les petites lèvres et tout. Bon, Sigma, je crois que je l'ai un peu offensé, il est pas content. Bon, Suka, à ton tour. Wouah, il l'a tellement bien fait. Alors moi, pour ma part, je sais pas très bien le faire non plus. On va quand même essayer. Oula. Attends. Le Sigma était pas très bizarre. Attends. Ok, c'est à moi. Waouh, ok. Bon, ça t'en a pensé quoi le Sigma? Non, toujours pas.